What's up tout le monde, c'est Derko, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur ma chaîne, c'est le premier épisode des Squad Review. Alors les Squad Review c'est quoi? C'est tout simplement un Squad Builder en profondeur. Je m'explique. Alors un Squad Builder c'est tout simplement une présentation d'équipe avec un match à la clé juste derrière. Là c'est un petit peu différent, il n'y aura pas de match, mais en revanche il y aura des phases de gameplay. Les joueurs qui m'ont plu dans cette équipe, à savoir que c'est une équipe hybride Serie A un petit peu Brésil, les joueurs qui m'ont plu dans cette équipe vous seront présentés plus en profondeur grâce à des mini-clips. On commence directement avec le gardien comme d'habitude. Alors j'ai choisi le gardien de la Lazio, c'est bien sûr Marchetti. Alors Marchetti il est pas cher du tout sur les deux consoles comme vous pouvez voir à votre gauche. Franchement je vous le conseille vivement pour un gardien low cost et en même temps très bon. Le premier décès c'est tout simplement Benatiasif. Alors je me suis fait un petit peu plaisir, c'est vrai qu'il est cher, mais le simple ou même le premier informe est très fort, je vous le conseille très fortement. À savoir qu'il a 66 000 sur PlayStation et 59 000 sur Xbox. Il est bon en défense avec sa stat qui est juste énorme. En tête aussi, en vitesse, il est loin d'être dégueulasse comme il est très rapide. Kelleni, c'est le deuxième décès de cette équipe avec 12 500 crédits sur PlayStation et 7 500 sur Xbox. Voilà, Kelleni, on ne le présente même plus. Il est très fort, très très fort. Maintenant, on va commencer avec le défenseur droit, c'est bien sûr Abate. Alors Abate, j'ai même plus besoin de le présenter tellement qu'il est dans les équipes de Serie A ou même hybride. Il est aux alentours de 1000 crédits sur les deux plateformes, il n'y a rien à dire. Là, on va commencer un petit peu plus en profondeur, c'est-à-dire que là, je vais choisir Balzaretti. Alors à savoir que Balzaretti est un petit peu cher, comme vous pouvez voir, pour un joueur argent. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est fort ce petit Balzaretti. Il est vraiment très très bon et je m'y attendais vraiment pas. On va voir directement dans les phases de gameplay qui est très fort dans tout ce qui est reprise du ballon, on va dire ça comme ça. Au marquage aussi il est très fort, voilà, une très bonne reprise du ballon. Aussi au niveau du marquage, comme je vous disais, on va voir que même face à des joueurs comme Jesus Navas ou Juan Fran, il va faire la différence. Là sans trop de problèmes, il garde le ballon en protégeant le ballon avec son corps. Sans trop de problèmes. Là encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jesus Navas face à Balzaretti. C'est un petit peu chaud niveau vitesse, je vous le cache pas. Mais par contre, niveau récupération du ballon, Balzaretti est devant Jesus Navas. Ça fait plaisir. Au niveau du placement face à des défenseurs, à des attaquants pardon, très robustes, Balzaretti est quand même là. Regardez Lukaku, hop, il se fait reprendre le ballon sans trop de problèmes. Là, franchement, j'étais un petit peu impressionné, mais c'est comme ça. Balzaretti, au niveau offensif, ça donne quoi? Ça donne ça. Regardez, il a fait une très belle passe. Hop, il essaye de faire maintenant le 1-2 avec Kaka. Ça marche très bien. Il est tout seul, prêt à centrer. Je vais centrer. Malheureusement, il n'y aura pas grand monde au centre, mais en tout cas, l'occasion y était. On commence maintenant avec le premier milieu de terrain, c'est un Brésilien, ce n'est pas du tout un joueur de Serie A, c'est bien sûr Felipe Melo Boost qui vient tout juste de sortir. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu cher sur les deux plateformes, 34 000 sur Xbox, 41 000 sur PlayStation, mais même le simple est très fort. Alors Felipe Melo, très bon récupération, tout comme Balzaretti, mais par contre au niveau des frappes, c'est autre chose, il est vraiment waouh. J'ai pas de mots pour dire, mais c'est vrai qu'en puissance de frappe, en précision de tir aussi, il est très bon. Une très belle récupération du ballon face au milieu de terrain. Encore une fois, un très beau 1-2. Je me dis, bon, allez, on va centrer. Et malheureusement, encore une fois, comme tout à l'heure, personne au centre. Mais en tout cas, c'était presque. Au niveau des contrôles, voilà ce que ça donne. Au niveau de la finition, encore une fois, voilà ce que ça donne. Au niveau, franchement, des buts par match, j'en ai mis un petit peu. C'est vrai que j'ai mis 5-6 buts avec Felipe Melo, ce qui n'est pas dégueulasse, loin de là. Kaka, pourquoi avoir mis Kaka? Tout simplement parce que je voulais le tester dans un premier temps. Il n'est pas cher, il est dans une Serie A, il joue au Milan AC. Il n'est pas dégueulasse, loin de là, il m'a sauvé pas mal de matchs. Mais bon, c'est loin d'être le meilleur MC, je ne vais pas vous le cacher. Mais il reste quand même très correct. Le troisième MC, pardon, c'est De Jong. Alors, le Hollandais qui joue au Milan AC, lui, c'est un petit peu différent. Bon, récupération, un petit peu petit, c'est peut-être ça son défaut. Mais en tout cas, en récupération, tout comme Felipe Melo, je l'ai trouvé très propre. Il a fait une très belle récupération, là, face à l'attaquant. Là, qu'est-ce qui va se passer? Il va mettre une tête et regardez bien ce qu'il va faire. Il va monter tout en haut, il va monter tout en haut. Je vais attendre qu'il monte. Je vais faire une très belle passe en profondeur grâce à Robinho. Et ensuite, à la finition, il est présent avec une très belle frappe du pied droit. Là, franchement, il m'a un petit peu surpris. Mais c'est bon, c'est comme ça, c'est le milieu de terrain.
Au niveau du MOC, c'est la révélation de cette équipe. Il coûte 800 sur Xbox, 950 crédits. Je ne l'avais pas encore testé, ce petit Schneider. Mais qu'est-ce qu'il est fort, Vous allez voir dans les phases de gameplay qu'il m'a impressionné. Un très beau 1-2 encore une fois. Et là, regardez-moi cette frappe du pied gauche, à savoir qu'il a 5 étoiles en mauvais pied, ce qui est loin d'être dégueulasse. Vous frappez du pied gauche, du pied droit, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Schneider qui saute au-dessus d'un défenseur, il arrive quand même à frapper. Attention, il arrive quand même à frapper. Malheureusement, bon, le gardien était dessus, mais c'était cadré. Au niveau des corners, vous l'aurez bien compris que Schneider, il est très fort encore une fois. J'arrive à trouver la tête de Drogba sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que Schneider, que ce soit en frappe ou en passe, il est tout le temps dans les bons coups. En plus de ça, il est loin d'être lent. C'est vrai qu'il est aux alentours de 70 en vitesse, ce qui est un gros plus au niveau de ce joueur. C'est vrai que j'ai pu tester des Totti qui sont un petit peu lents, mais lui, il n'est pas du tout lent, loin de là. Qu'est-ce que je fais? Je récupère le ballon, grosse frappe avec Schneider. Et enfin, le premier but d'une frappe de loin. Vraiment, là, je me suis dit, waouh, Schneider, il envoie du pâté, il envoie vraiment de la grosse frappe, il envoie du 100% frappe. Là, c'était nickel chrome. Schneider, regardez sur le ralenti, qui va faire un très beau contrôle. Bon, même si le ballon était dans ses pieds, il a fait un contrôle basique, on va dire ça comme ça. Mais par contre, la frappe était très belle. Le premier buteur, je me suis dit, allez, on va tester encore une fois. Ça va être du Didier Drogba. Alors, Didier Drogba qui est disponible depuis cette année. L'année dernière, il n'était malheureusement pas disponible. Il coûte, par contre, pas très cher, 950 crédits sur Xbox, un peu plus de 1000 crédits sur PlayStation, mais regardez-moi, au niveau des têtes, il est très très fort. Au niveau des têtes, forcément, vous l'aurez compris, il est grand, il a une bonne stat en tête, il a une bonne stat en frappe aussi, vous verrez. Et par contre, au niveau de la vitesse, c'est un petit peu lent, je vous l'avouerai, mais par contre, ça fait la différence. Au niveau des frappes, ça donne quoi? Hop, ça donne une bonne frappe, malheureusement, elle n'est pas cadrée. C'est pas fini, juste après, vous allez voir qu'il va faire un gros truc. Le gardien va tranquillement dégager. Robinho qui va faire une tête en direction de Drogba. J'arrive à m'extirper, on va dire ça comme ça, du défenseur. Et ensuite, la frappe enroulée sans trop problème. Désolé pour le chute, mais bon, je me prenais 5-1, donc j'étais un petit peu énervé. Abate, qu'est-ce qu'il fait? Il court tranquillement tout seul. Et là, il trouve enfin la tête de Drogba. Alors, moi, c'est ce que je vous dis. Au niveau des techs, Drogba est parfait. Il est tout le temps là, au bon moment, c'est vrai, c'est un renard des surfaces au niveau des têtes, j'ai jamais vu ça. Pour ma part, c'est l'un des meilleurs joueurs de la tête que j'ai pu tester actuellement sur FIFA 14, en tout cas. Et le dernier, c'est une petite révélation, tout comme Schneider, c'est Robinho. Alors, c'est des joueurs qui ne sont pas très chers. Robinho, regardez, 800 crédits sur les deux consoles. Mais par contre, Robinho, oh là là, 15 matchs, 9 buts, 9 passes décisives. 4 étoiles en geste technique, 4 étoiles en mauvais pied. Alors, c'est vrai, il a perdu ses 5 étoiles en geste technique par rapport à l'année dernière. Il a perdu aussi de la vitesse, mais par contre, en dribble, en stats, il n'a pas perdu. En frappe, franchement, je l'ai trouvé très propre. En finition aussi. Vous allez voir directement que Schneider fait une très belle passe en profondeur. L'extérieur du pied de Robinho. Alors, c'est vrai que Robinho, au niveau des extérieurs, il est juste incroyable. Premier extérieur, et c'est pas le dernier, je vous le dis. Franchement, il m'a un petit peu surpris. Qu'est-ce que je fais? Drogba qui fait une très belle passe pour Robinho. Robinho, encore une fois, à l'extérieur, comme je vous disais tout à l'heure. Franchement, élan ou pas, il frappe quand même et c'est souvent dangereux. Robinho qui va essayer de faire quelques gestes techniques avec ses 4 étoiles, malheureusement, c'est contré. Mais c'est pas fini comme Drogba tout à l'heure. Drogba qui récupère le ballon, qui fait une passe à Robinho. J'essaie de faire quelques gris-gris. J'arrive alors à reprendre le ballon. Robinho qui fait la frappe, et c'est enfin le but en pleine lucarne. Alors franchement, il m'a vraiment surpris ce joueur. On me disait, ouais non, teste-le pas, il est nul. Premier match, les gars, triplé. Premier match, triplé. Franchement, si ça, c'est pas du rêve. Là, j'arrive à dribbler deux défenseurs. Malheureusement, l'extérieur est arrivé sur la barre, mais en tout cas, c'était une belle occasion. Donc voilà l'équipe au complet. Donc c'est une équipe vraiment très bonne avec les attaquants, les milieux de terrain, les défenseurs, tout ce que vous voulez. Enfin, en tout cas, moi j'ai vraiment apprécié de jouer avec cette équipe. J'ai fait donc le prix total de cette équipe sur les deux plateformes, c'est-à-dire Xbox et PlayStation. Donc à savoir que sur Xbox, elle est aux environs, je dis bien aux environs tout simplement parce que j'ai pris les prix actuels de Ultimate Database. Donc sur Xbox, elle est actuellement à 111 300 crédits, ce qui reste quand même assez abordable. A savoir que bon, si vous voulez enlever Felipe Melo Boost et prendre le simple ou enlever Benatia Sif et vous voulez prendre par exemple le Inform ou le simple, ça marche
pareil. En plus de ça, bon, les prix vont vraiment baisser et vous verrez que la qualité de l'équipe va pas forcément baisser énormément. Sur PlayStation, je l'ai pas dit, le prix, il est actuellement à 133 750 crédits. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez apprécié, mettez un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.